On va partir en vacances. Vous avez le droit. C'est son premier prix de Vincennes à Yo-Yo. Oui. Félicité de toutes parts et il y a de quoi parce que le cheval il a fait un truc incroyable. Genre. Première fois qu'on lui mettait les œillères, des bouches-oreilles, lui t'as pas été très très bon. Le cheval a fait la faute en descendant, on avait voulu mettre une petite gourmette. On l'a remis comme avant, on lui a mis son petit mort en cuir. Et puis non, il était parfait avec les œillères. On l'avait préparé tout axé là-dessus. On a été second dans les groupes 2 tout le week-end, on s'est dit merde, c'est pas possible. Voilà, on a gagné groupe 1, les Red Cash ont gagné tous les groupes 1 cette année, on est ravis. Carton plein. C'est que du bonheur alors. Que du bonheur, exactement. En famille. Et puis avec ma soeur et mon pote Christophe Toulour de toujours, je suis ravi, ravi. Ivan, quel cheval c'est de repartir? Ouais, c'est un super cheval. Il a beaucoup de tenue, tout. C'était un peu sa course. On avait préparé ça comme il faut. On avait décidé d'aller devant, tout. Il avait bien travaillé. Ton entraîneur, la dernière fois, il n'était pas content après toi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as suivi ses conseils ou est-ce que une nouvelle fois, tu l'as monté comme tu le sentais? Non, on avait décidé ensemble d'aller devant. On s'était un peu forcé à pas le faire avant, un petit peu. On avait mis des œillères aujourd'hui, tout ça. On avait vraiment décidé d'aller devant. Après, les coups d'avant, la rentrée montée, c'était une rentrée quand même. Il courait pas si mal. Le critérium malheureux, foutu en l'air, rentrée de ligne droite, mais bon, c'était plus une préparation. Il aurait pu être cinquième. Et non, aujourd'hui, très bien. Tout s'est bien passé en fait. J'aime pas utiliser ce terme-là, mais aujourd'hui, quand même, il s'impose en champion parce qu'on a l'impression qu'il était invincible et plus ça allait et plus il en prenait. Ouais, aujourd'hui, non, les temps sont là. Tout ça, c'est vrai qu'à Caen, c'était un bon chrono, mais bon, quand on sait que des fois, c'est vite. 2007 à Vincennes, il n'y a pas de faux chrono. Normalement, c'est des vrais chronos et là, il l'a fait vraiment de manière d'un cheval d'avenir. Quoi. C'est un gros pas en plus pour toi et c'est surtout un point pour l'étrier d'or. Oui, en plus, oui, bon, là, on n'y pense pas trop à ce moment-là, mais ouais, c'est encore mieux. Bébé, aujourd'hui, t'es battu par un grand cheval. Je suis battu par un super entraîneur, je crois, surtout. Ouais. Non, l'autre jour, son cheval, moi, j'avais trouvé que c'était pas terrible. Voilà, aujourd'hui, un grand Philippe Allaire, un grand Johan, un grand Bird Parker, voilà. On est second. Le cheval montre qu'il est pas cuit, hein. Je veux dire, il fait une super valeur. Hein. Je veux dire, ce qui est dommage, c'est que d'habitude, il part à gauche, aujourd'hui, il partait à droite. On perd le dos bêtement de Bird Parker en montant. Voilà, peut-être que si on avait encore eu son inspiration pendant 500 mètres et d'être donné au vent, voilà, mais je crois pas qu'on l'aurait battu. Et puis il n'y a que du bon là en ce moment là. Super la Mag hier a super bien couru, Vagabond du Mag, c'est une course en accordéon mais il a très bien couru aussi. Ah, Vagabond du, on a fait une erreur de ne pas mettre le quart de hier et puis le cheval en le déférant, on a mal retiré les clous, il a un clou qui s'est planté dans la fourchette, le cheval était redboité après la course. Je pense que ça nous coûte la seconde place. François Bestoget, 3e, il ne fait que confirmer ses bonnes dernières courses. Oui, voilà, il progresse, il est toujours dans le coup, il fait tout ce qu'il peut à chaque fois. Et donc, il a pris une bonne 3e place, oui. Est-ce que en début de meeting d'hiver, tu t'attendais à le voir figurer ce niveau? Ah non, pas du tout. Non, j'ai couru juste avant le meeting à Anguin, une prix de série, j'étais 3e, mauvais 3e. Et puis on l'a réglé avec Jean-Michel. Jean-Michel a fait beaucoup du très bon boulot. On l'a réglé et puis il s'est mis à progresser. Et c'est très bien. Et Escaté, il a également de la classe? Oh non, Atlas, c'est très, très compliqué. J'ai couru il y a 2 semaines. Il a dû me faire 20 fautes dans le parcours. Non, c'est très compliqué. Alex Billy, il fait un truc encore aujourd'hui. Il a regagné beaucoup de terrain dans la phase finale. Bon, ouais, le cheval, il fait une super course. Hein, on ne peut pas lui en vouloir. Je suis un peu déçu. Je croyais que j'étais venu 3e, mais bon. Bah...
Le cheval est 4, il marche 14, il gagnait son semi classique en début d'hiver, il marchait 15,5. Donc la marge de progression est énorme et on sait qu'il va encore progresser parce qu'il est encore vert, il n'est pas venu encore, donc c'est très bien pour les années à venir. C'est vraiment son talon d'Achille le départ, il est une nouvelle fois parti parmi les derniers. Ben, il part doucement mais il est avec les autres et c'est du poteau d'arrivée à la plaine, les autres se lancent dans la descente et lui dans la descente il va pas plus vite, limite il va plus vite en montant. Il va falloir qu'on arrive à le faire progresser de ce côté-là et je pense qu'on a un bon cheval. C'est un vrai 2007. Ah, c'est un vrai 3000 même peut-être je dirais. Sébastien, Booster est battu, mais c'était une course avec un train de folie. Ouais, Booster est battu, mais après, bon, je n'avais pas de gaz, il m'a dit Eric. Il trottait un peu gros comme ça. J'avais changé un peu la ferrure parce qu'on a eu un problème de sème il y a un mois, donc avec un abcès. Et je pense qu'avec ces fers-là, il restait un petit peu à trotter gros. Après, c'est pas une excuse. Hein. Et puis, vu le temps que ça marchait, il est un peu resté là. Et puis, à la fin, il a baissé les mains. Eric a dit que c'est pour pas le taper dessus pour être sixième, ça sert à rien. Donc, puis l'autre jour, peut-être qu'il avait fait une course assez dure quand ils étaient en 7 là, donc voilà. Mais à revoir, peut-être que le cheval, peut-être faire une prise de sang, peut-être qu'il couvre quelque chose aussi. Hein. Il souffle un petit peu, donc voilà, il n'a pas fait sa course, je pense. Il vaut mieux que ça.